3-0, c'est le score sur lequel les Panteros se sont imposés samedi dernier face à l'Éthiopie à l'occasion du match retour du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations U17 2015 après le nul concédé à Addis Abeba, 0 but partout. Après une première période peu prolifique pour les deux formations au regard des maladresses et du manque de lucidité des 22 acteurs dans leurs actions offensives, le score sera de 0 but partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Panteros, revigorés par le message du coach Capello, vont multiplier les actions et vont obtenir un premier pénalty à la 63e minute suite à un acte irrégulier de Fedaku Abebe sur Banini qui, au passage, va être exclu du terrain. Un pénalty qui sera transformé par Ngouba Moudoumi, entré quelques minutes plus tôt. 1-0. Puis un deuxième pénalty sera sifflé à la 73e minute qui sera à nouveau transformé par Ngouba Moudoumi, 2-0 à cet instant. Le coup de grâce sera donné par Yann Batsiandi après un 1-2 majestueux exécuté par les Panteros. 3-0 sera le score final. Je ne savais pas que ces jeunes pouvaient se comporter comme ça à Libreville. J'avais déjà vu leur comportement à l'extérieur où ils étaient, je peux dire, à l'initiation. C'était leur premier match international. Et là, vraiment, ils viennent me surprendre avec le discours à la mi-temps. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Et ce qui fait que on sort de là, gagnant avec 3 buts. J'éprouve vraiment un sentiment de satisfaction. Après cette victoire, le Gabon se qualifie pour l'ultime tour de la CAN 2015, dans lequel il affrontera le Nigeria.